Emilien ? Bonjour. Bonjour. Je vois que vous n'êtes pas seul. Oui, c'est quoi ? C'est mon électrique dog, Spot. C'est un chien ? Oui, c'est un chien. Enfin, un chien robot. Ah ouais, ça c'est le top du moderne qu'on trouve au Palais de la Découverte. En fait, le robot d'origine date de 1912. On sent un peu vieux. Oui. C'est une copie d'un robot ? C'est une copie d'un robot de 1912, exactement. Ah, il y a quoi dedans ? Alors en gros, donc c'est un chien qui un chien électrique qui réagit à la lumière, il suit la lumière en fait. En gros, il y avait une batterie qui faisait la moitié de l'espace. Oui. Le reste, c'était des circuits électriques qui permettaient de gérer un petit peu tout ça. Bah, il n'y a pas de transistor encore. Ah non, il n'y a pas de transistor, il n'y a pas d'ordinateur, donc ils étaient obligés de se débrouiller autrement à l'époque. Donc bah, ils ont fait avec un simple circuit électrique. Alors, simple. C'était quand même un peu travaillé. Il y avait typiquement des bobines à l'arrière qui servaient à faire bouger la roue arrière pour diriger le robot. Et les senseurs, en fait, ils étaient faits à partir de sélénium. Le sélénium, c'est un matériau, en fait, quand on l'éclaire, ça diminue sa résistance électrique. Donc si on le met dans le circuit, bah, s'il n'y a pas de lumière, il ne peut pas avancer parce qu'il y a trop de résistance électrique. Et si on l'éclaire, bah, la diminution de la résistance électrique, et hop, le robot avance. Et on peut voir donc les circuits de l'époque. Ouais, alors par contre, on l'a un petit peu modernisé parce qu'on ne trouve plus ce matériel à l'époque. Donc bah, du coup, ça va donner ça. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Ah oui, alors là, c'est la batterie en noir. Tout petit. C'est ça, et là, c'est l'ordinateur. Encore plus petit. Effectivement, le monde a changé. Et ça, c'est un robot. C'est quoi un robot ? Alors un robot, en fait, dans la définition qu'on a du point de vue de la science, c'est une machine qui va exécuter un programme en prenant en compte son environnement. Donc il a des capteurs qui lui permettent de capter ce qu'il y a dans son environnement. Il a des actionneurs qui lui permettent de réagir à l'environnement. Un thermostat, c'est un robot. Donc un thermostat, c'est un robot. Ça réagit à la température extérieure, ça met en marche le chauffage. Exactement. Ici, il y a plein de robots partout. Oui, il y a plein de robots partout, mais mon préféré, ça reste quand même celui qui est juste à côté. Je vous y emmène. Ah oui, c'est pas du tout un robot comme on voit au cinéma. Et non, parce qu'en fait, l'immense majorité des robots, ils ont plutôt cette forme-là. Ils sont pas humanoïdes. Ils aident les humains dans des tâches très particulières. Industrielles. En général, industrielles. Et pourquoi il vous plaît particulièrement celui-là ? Parce qu'en fait, c'est un cobot, un robot collaboratif. Un cobot. Robot collaboratif. Ouais. Il va collaborer avec moi. Exactement. Vous allez commencer à lui faire des petites actions et puis après, il va compléter le mouvement à votre place. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Abra Robotics. Abra Robotics, on va travailler ensemble. On va collaborer. Et je fais comment ? Donc, on va prendre les deux mains comme ça devant. Donc la main droite, quand on la serre... J'ai perdu la main droite. Ça va servir à faire bouger le bras, vers le haut, vers le bas, sur le côté, je serre, en avant, en arrière. Et là, il avance. Et là, il avance. Il recule. Il va pouvoir... Il va à droite, il va à gauche. Voilà. Et l'autre main, quand on la serre, ça va serrer la pince. Serrez la pince. Ouvrez la pince. Serrez la pince. Abra Robotics, tu es prêt ? On y va. Je ferme la main. Je descends. Là, oui, oh. Voilà. Ah, bravo. Attends, là, et tac, j'y arrive bien. C'est nickel, bravo. Bon, mais c'est pas l'avenir, ça, quand même. Hey, c'est quand même pas mal, ils utilisent ça dans des laboratoires pour faire un certain nombre de choses. Ça permet d'automatiser énormément de choses et faciliter le travail des humains. Et là, nous avons le même langage. Il a appris le mien, il faudra demain que j'apprenne son langage. Alors généralement, apprendre son langage, ça veut dire apprendre à faire des 0 et des 1. C'est un peu compliqué pour nous. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise des langages informatiques, ce qui permet de faciliter énormément la communication vers la machine. En gros, c'est comme ça qu'on va pouvoir facilement lui expliquer ce qu'il est censé faire et à quel moment. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir coder un peu tout ce qu'on veut de faire à la machine. Bon, il risque pas de prendre ma place. Non. Bon, on va rester copains tous les deux. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Ciao. Salut.